Mais, petit Chris, pourquoi c'est écho dans ma chambre, tabarnak? C'est le moment du mois que tout le monde semble détester, ma foi. Mais si faut le faire, enfin, c'est le conseil. Quand même, je me suis fourré, que j'étais supposé le faire au mois de... On est quoi, octobre? Ça, c'est le conseil du mois de septembre que j'ai comme pas fait parce que j'étais trop paresseux. Là, on est en octobre, je fais le conseil du mois de septembre pour les Patreons du mois d'août. En tout cas, j'ai un nouveau trépied. Ça fait que ça va être le gag visuel, pas mal la vidéo. Fait que mon vieux trépied Amazon, je n'ai plus vraiment besoin. Oh! Fuck, j'ai chié le mur! Oh, tabarnak! J'ai pas réussi à le péter, le trépied. Je pense que j'allais faire ça dehors. Bon, ça va pas être si impressionnant que ça, parce que l'aspect impressionnant était dans ma chambre. Je vais faire une annonce sur Kijiji. Vous pouvez aller le chercher si vous voulez. Oui, donc, vous connaissez comment ça fonctionne, le Patreon. Fait que là, Luc, musique triste, mort et blanc. Et voilà. J'ai un peu trop de gens qui me posent des questions. Je savais que ça allait arriver un jour. Vous êtes trop nombreux à m'envoyer des questions. Ça fait que ça va être le dernier épisode où est-ce que je vais accepter toutes les questions. À partir du mois prochain, je vais comme faire le tri. Je vais prendre les meilleures parce que je veux que la vidéo soit bonne en esti. Puis on s'entend qu'il y a des questions qui sont calissement pas drôle. M'excuse. Tu sais, vu que maintenant, je vous enlève ça, je vous rajoute un live exclusif à chaque mois. J'accepte pas les questions de tout le monde, mais vous avez un live exclusif au Patreon par mois où est-ce que je vous jase en privé. Fait que voilà. Comment faire pour que mon père arrête de me battre? Ben, c'est quand même très simple. Tu fréquentes ta grand-mère, ok? Là, comme ça, toi, tu vas être le beau-père de ton père. Tu me suis? Une fois que t'as atteint cette autorité-là, tu bats ton beau-fils parce que le tabarnak bat son fils. Mon ami et mon chum, arrêtez pas de me dire d'arrêter d'écouter du hentai. Qu'est-ce que tu peux me dire quoi faire et dire s'il te plaît? L'hentai, c'est de l'or. Pis tes amis, c'est des trous de cul pour pas être des esthètes. Esthètes. Personne qui considère l'art comme une valeur essentielle. Artistes, on apprend des mots sur la chaîne de WTF Kev, c'est magique. 6 2 plus 2 égale 4 et 8 plus 8 égale 16. Pourquoi les poules goûtent le poulet? Faut que je fasse quoi avec cette question de merde là? Mon prépuce est bloqué. Que faire? L'épisode conseil numéro 8 est vraiment fucking à chier. Que proposes-tu pour me rembourser les 3 minutes que j'ai perdu à regarder cette horreur? Je te conseille d'écouter la vidéo de Astor on joue. C'est... attends, j'ai mon texte là. C'est un 10 minutes de pur bonheur. Si ces gars-là continuent leur vidéo de roast, je te garantis qu'ils ont un super avenir dans le YouTube québécois. Tu n'as-tu un pour ton argent, là, tabarnak? Ça, j'ai écrit. Pourquoi qu'on dit « fuck off » rapidement, ça sonne comme un nom russe? Vladimir fuck off. C'est juste à cause de l'accent que tu mets. Si, mettons, je prends un accent arabe, Mohamed fuck off. Et mettons, je prends un accent français, Didier fuck off. Un accent haïtien, Dieudonné fuck off. Mettons, un accent genre asiatique, Fang fuck off. L'accent. Sus-tu? Once it's nice and wet. Ma fille a perdu son hymen hier soir. Je me demandais quelle est la meilleure façon de le cuisiner. J'ai envie que pizza maison. Tomate, oignon, toute petite surface, pâte, vin rouge, alors un coup de spatule, fromage, basilic, la faire tournoyer au bout de nos poings. Salut, je me demandais si c'était normal que je vous envoie le numéro de compte de Twitter pour que je trouve ton garage et tu me fais un petit tour sur le site et je suis ton père. Juste non, c'est pas drôle. J'avoue que moi aussi, cette vidéo-là est calissement pas drôle. J'ai hâte en tabarnak au prochain épisode où est-ce que je vais choisir les questions. Puis là, ça va être du contenu de meilleure qualité, esti. 25 tabarnak de questions à répondre, puis faut que ça soit fucking drôle à chaque fois. Je peux-tu avoir des moments où est-ce que c'est de la calisse de merde mes vidéos aussi? Tu penses quoi des avortements avec des ciseaux? Pourquoi les 4 premiers conseils durent 2 minutes 48 minutes et que ça me donne le goût de mourir? Mais parce que c'est de la merde, tabarnak! Le monde m'envoie n'importe quoi, puis faut que j'y réponde, esti. Aucun tabarnak! T'es fort! Calisse de marde! Toast-toi! Si tu fourres une fille pis qu'elle meurt pendant l'acte, est-ce que t'es considéré comme un nécrophile? Je suis comme pas sûr, fait que je vais demander l'opinion d'un expert. Oui, allô? Oui, Ben? Oui? C'est Kev? Oui? Ça va bien? Oui, toi? J'ai une question pour toi, faut que tu me réponds avec toute honnêteté. Okay. Si tu fourres une fille pis qu'elle meurt pendant l'acte, est-ce que t'es considéré comme un nécrophile? Ben... Ça dépend si t'arrêtes ou tu continues, je sais pas.
Ok, bon ben merci, le chef a parlé. Ça dépend si tu continues ou tu continues pas. Comment je peux avoir le consentement de ma cousine sans que ma sœur soit jalouse? Je suis pas mal sûr que c'est un blanc qui a écrit ça, on va dire. Hein. Comment je fais pour devenir un super héros? Là, quand déjeuner, j'étais prêt à manger des Froot Loops. J'aimerais que tu m'aides à trouver la meilleure sorte de tampon. Oh, merci à toi, Kev, sauveur de vulve. Excuse-moi. J'avais comme besoin d'aide. On m'a demandé de venir chercher comme, des tampons. J'aimerais que tu m'aides à trouver les meilleures sortes de tampons. C'est quand même... Ça lui dérange pas, toi? Ben, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Ça se rend tout. Ça, c'est ouais, genre... mais normalement, okay. Moi, je préfère les Tampax. OK. Puis, ça aussi... C'est bon, YouFitness? YouFitness aussi, c'est bon. OK. C'est plus petit, mais parce que eux, les Tampax, ils sont comme plus longs. Ils viennent de l'applicateur. Mais ça... L'applicateur? D'un point serré, ouais. Puis, okay. La différence, faut qu'ils tirent l'applicateur quand, en dessous, ici. Puis, okay. Ils l'utilisent pour pousser... Elle va lire. Fait que tu dis que c'est Fitness You Compact, c'est le meilleur. Ouais, ben j'utilise le Tampax, mais honnêtement, j'utilise les deux. Je suis vraiment satisfait avec les deux. Mais c'est juste c'est de ces sortes-là ou il y a d'autres sortes? Il y a d'autres sortes, mais il y a différentes textures. Comme celui ceux de là sans plastique. Ok, ouais, non. Ouais. C'est plus facile avec le plastique. Tu rentres le plastique. Tu rentres pas le plastique dedans. Non, non, c'est juste l'applicateur qui est plastique. Ok, c'est bon. Fait que. On va prendre juste comme, je crois, le régulier. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. As-tu un talent caché? Qu'est-ce qui fait de ces jours le paraplégique? Bonjour Kev, j'aime bien tes vidéos, mais mon papa me bat quand je les écoute. Ça fait 4 ans que je suis enchaîné dans mon sol. J'ai volé son cellulaire pour te poser cette question. T'aimes-tu te crosser sur des photos de pénis mutilés? Qu'est-ce que tu penses du Pony Play? Welcome to Pony Play! C'est quoi la meilleure drogue que t'as pris? C'est quoi de drogue? Moi, ouais, j'aurais pas mal ça dans la journée. Tu es un ovni si tu sais que c'est un ovni? Hashtag Caramilk. Yo, ça va-tu? Moi, je suis présentement en vacances et à bientôt, j'espère, Brise. Et bonne journée à vous deux. Je vous souhaite encore une excellente fin d'année. Hey, c'est comique. On a un vrai clown dans la place. Papa, c'est toi? Non. Pourquoi est-ce que t'adopterais Donald Trump? Juste pour l'entendre dire « Grabber by the Juicy » toute la journée. Donc, si toi aussi, tu veux peut-être participer au conseil, ben c'est simple. Ben, ça va juste sur mon Patreon. En plus, ça me supporte pour que je puisse continuer à faire ça et pas avoir une job comme genre fucking livreur de pizza, tabarnak. Verrais-tu livrer de la pizza? La madame, elle ouvre cette pizza, il y a juste un trou. Où est-ce que dans le trou, il y a mon testicule qui sort? Je sais pas si je vais arrêter le joke là, moi. Mais sur ça, je vais prendre le temps de remercier tous mes Patreons. Fait que sur ça, mon prochain conseil sera dans quelques jours. Parce que je suis une marde puis je dois rattraper mon temps perdu, hein. C'est ça qui arrive par exemple quand ton chien meurt sur tes genoux. Ah, fagasti! Je te remercie d'avoir... Oh, tabarnak, il est lourd ce pied-là, ok, je suis pas habitué. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo, si tu l'aimais, aime-la, partage-la avant de regarder sur Instagram. Va checker le Gris de podcast aussi, Twitter. Y'a-t-il du monde qui tweet? En tout cas, moi je te laisse parce que je m'en vais encore me faire passer pour une Instababe sur Tinder.